Vous ne savez pas faire de vidéo ? Non plus ! C'est pour ça que pour cette 12e édition du Festival du film d'un jour, notre mission, c'était réaliser le MOF. Action ! On tourne ! Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon making-of ? Une vraie équipe de making-of, en fait. On prend une caméra et on appuie sur REC, c'est déjà une bonne base. Ça tombe pas là, c'est pas rouge. Ah si ? Ah bon ? De l'humour, de l'action. Des anecdotes. Il allait emprunter un plat qui nous servait à dire l'eau savonneuse pour laver les vitres. Et c'est exactement ce plat dans lequel est tout le fromage qu'on mange ce soir. Des questions intéressantes. Si, vu que ma question c'est de la merde. Ah non, non, je sens. C'est sincère. D'accord, c'est sincère. C'est la sincérité, je pense. Bon, j'aimerais bien voir quand les gens ils mangent le plat traditionnel d'ici. Il y a des animaux. Ouais, moi j'ai jamais vu un making of sur une pêche. J'ai vu une fois avec une pomme. Comme le sujet. Premier, de la grosse merde. Non, c'est un festival sans alcool. Pas les couilles. Que de l'action, que de. Il faudrait suivre un petit peu les équipes. Trouver des moments un peu intéressants. Personnes qui sont intéressantes pour les interviews. Moi je sers à rien. Je suis juste là pour faire chier le monde. Zoom, des zooms. Est-ce que je peux avoir un badge du making of? Faut des scènes drôles quoi. Est-ce que ça se passe bien votre été fin juin? C'est pas toi qui te prends le badge, il se prend. Des gens qui savent pas comment faire et des trucs un peu délicats quoi. Attends, si tu veux l'envers du miroir en fait c'est de l'autre côté. Voilà. Des réponses intéressantes. Des merdes. Vous voulez répondre à une question? Non. De la révélation aussi, c'est chouette. Je fais vieille ou pas avec ça? Je sais pas. Ah bah si tu veux, de mon point de vue déjà 100 tu faisais vieille hein, donc. C'est une blague. Faut que ça donne. Un bon aperçu du festival.
c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a été vachement drôle sur place. Il faut pas vouloir absolument le caser si on a un son de merde. N'hésitez pas à couper les trucs chiants.